Mettre là. La carte de Brigitte Fouret. Comment elle sera privée de parole? Ce qui n'est ni souhaité ni souhaitable. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur général des services. Je ne vais évidemment pas refaire un point sur le budget de ma délégation, car Jean-Pierre Bataille l'a déjà largement abordé. Mais en revanche, je vous propose de revenir sur la fusion et ne pas oublier combien elle est récente. La fusion continue et elle se poursuivra tout au long de ce mandat. Il est important pour nous de maintenir une fusion collective pour réussir l'équilibre de nos territoires, réduire les inégalités sociales et économiques et dynamiser dans l'harmonie le développement économique des Hauts-de-France. La fusion ne consiste pas à nous fondre dans le plus petit dénominateur commun des diverses particularités, mais bien de fondre nos histoires pour produire une région solide. Pour ce faire, il faut nous appuyer sur nos agents, c'est-à-dire tous nos services, au service du bien commun et de l'efficacité. C'est le sens de la révision du régime indemnitaire. Elle n'a pas été facile à mettre en œuvre, parce que d'une part, la région Nord-Pas-de-Calais avait négocié un régime indemnitaire le plus élevé de France, et d'autre part, celui de la Picardie était moins attractif et surtout lié à la présence de l'agent. Il en est ressorti un troisième régime indemnitaire, choisi par 541 agents sur les 729 concernés, c'est-à-dire les nouveaux arrivants, les lauréats d'un concours, les bénéficiaires de la loi Sauvadet, etc. La réorganisation des services est réalisée. Et néanmoins, un nouveau chantier va s'ouvrir. Proposer des spécialisations sur les différents sites de la région. Il est en effet envisagé de proposer des directions complètes ou des pôles sur un seul site pour permettre un meilleur travail en équipe, puisque tous les agents se retrouveront au même endroit. Des économies de transport, une assurance de garder des personnels sur un même lieu, voilà ce qui pourrait être réalisé. Cette nouvelle organisation, qui ne pourra s'appliquer que dans certains services, sera étudiée dans le cadre du projet d'administration régionale. Il est important de trouver un équilibre entre Amiens et Lille, et cette spécialisation le permettra. D'ailleurs, elle est demandée par les agents eux-mêmes. Par ailleurs, le télétravail offre désormais aux agents la possibilité de disposer d'un ou deux jours par semaine de télétravail à domicile ou dans des tiers-lieux. Au 1er janvier 2019, ils seront 288 agents à opter pour cette solution, dont 92% à domicile. La protection sociale complémentaire à l'échelle de la région Hauts-de-France sera effective à compter du 1er janvier 2020, je le rappelle, et le président a décidé de donner un coup de pouce à cet axe. La mise en place d'un plan de déplacement d'entreprise à l'échelle des Hauts-de-France est en cours d'élaboration pour permettre à chaque agent de trouver un mode de transport adapté à ses contraintes, doux, collectif, économique. Tous ces éléments doivent aboutir à l'amélioration de la qualité de vie au travail de l'ensemble de nos personnels. C'est également pour cette raison qu'un plan d'amélioration des conditions de vie au travail a été mis en place depuis octobre 2018 et propose des actions, des accompagnements et des aides pour les agents en détresse. Il est disponible sur l'intranet. Nous sommes attachés à une ardente obligation, celle du dialogue, de la concertation, de la négociation, sans lesquelles nos démarches seraient vaines, et je tenais à y insister à l'occasion des travaux à propos du budget. Je vous remercie, Monsieur le Président. Charles.